Bonjour tout le monde, c'est les Dents Boucaneuses. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On a reçu un colis et on va l'ouvrir ensemble. Parti. Ah, oh, c'est là encore. Ah ouais, regardez, il y a une petite lettre pour Mimi. Alors, salut les emboucaneuses, je vous envoie une BD que j'ai adorée. Est-ce que vous pouvez en faire une présentation? Des gros bisous à vous quatre. Signé Rose. PS, j'adore votre travail, vous êtes les bonnes. Vous êtes trop Mimi, merci beaucoup. Allez, au revoir. Alors personnellement, j'ai déjà lu cette BD. Oui, moi aussi. Du coup, bah, le livre qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est Lovecore. Il est écrit par J. Persson et par Lila Cognier. Il est aux éditions Delcourt. Donc il a été publié en 2020 et il comporte 112 pages. Je vais vous faire un résumé de Lovecore. Donc c'est une BD qui mélange plusieurs thèmes principaux, en particulier l'amour et la technologie. C'est l'histoire d'un savant qui a inventé un bracelet qui se met à vibrer lorsqu'on le rencontre dans un rayon de 7 mètres, la personne parfaite pour une relation amoureuse si elle aussi est équipée de ce bracelet. Pour constituer l'algorithme de ce bracelet, il faut passer toute une batterie de tests et de scanners pour définir notre personnalité, nos passions, nos hobbies, etc. C'est grâce à cela que le bracelet détermine la candidate idéale pour une relation amoureuse et avec le ou laquelle nous allons vibrer. Mais ce n'est pas aussi simple que cela et nous pouvons le voir au travers de petites histoires qui vont se rejoindre pour donner un final étonnant. Au cours de la BD, nous pouvons suivre plusieurs personnages et plusieurs couples. Dans cette histoire, il y a plusieurs personnages qui sont contre cette technologie et qui pensent qu'on peut trouver l'amour sans être technologique. Nous pouvons aussi voir des couples qui se détruisent car ils ne vibrent pas l'un pour l'autre. La moralité est que le monde souhaite accéder à la facilité en matière de recherche de l'amour. La question reste de savoir si le résultat est garanti. Franchement les gars, on a adoré cette BD, elle est hyper bien. En fait, elle mélange deux thèmes. Elle mélange l'amour et les technologies, et c'est des thèmes qu'on n'a pas spécialement l'habitude de voir ensemble. Elle met en relation des idéologies très opposées. Les auteurs interrogent sur notre rapport à l'amour et à la société, et on se pose la question de jusqu'où nous sommes prêts à aller pour trouver la bonne personne. Les dessins sont très agréables à regarder, et en fait ils permettent qu'on se plonge dans l'univers des personnages facilement. Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En attendant, nous on se retrouve la semaine prochaine pour un vlog au Salon du Livre. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune prochaine vidéo. Bisous! Ciao! Bisous.